Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, petit live aujourd'hui. On est sur du Westland. Donc, on va subir une attaque. Donc, on va aller se défendre puisque on va pas se laisser faire. Hop, on va rentrer dans le ranch et let's go. On va défendre le ranch en espérant qu'il nous pète le moins de trucs possible parce que c'est un peu relou à réparer quand on n'a pas le VIP. Ils arrivent par où? Ils arrivent par là. Ok. Donc, on va se dépêcher de défendre avant qu'ils pètent des murs. Hop. Il y en a deux autres qui sont passés de l'autre côté. Voilà, je peux pas passer par là. Je vais passer par ici vite fait. Posez pas de dynamite, les gars. Trop tard, il en a posé trois. Et à côté aussi. Bon, on aura trois murs à réparer. Donc ça va encore. On va réparer ça vite fait. Bonjour Tati Miti, bonjour à tous. Coucou Malolotte, comment tu vas? Bonjour à moi-même. Bah oui, t'es la toute première. Hop, doux steak, on va le manger. Il a quoi sur lui? Ça, on va les recycler. Coucou Kekashin, tu vas bien? Ça, on enlève. Non, je veux d'abord. Ah, voilà, petite dynamite, ça fait plaisir. Ça, on va y boire. Ça, on supprime. Ça va et toi? Bah écoute, nickel. La petite carte, ça, c'est important. Pour trouver la cage des bandits, ça, on prend. Ça, on va y picoler. Hop. C'est pas du tout là que je voulais cliquer, ni là. On va essayer de cliquer au bon endroit, en fait. Voilà. On va se faire des gourdasses pour faire des soins, puisque j'en ai plus... Alors, tout est relatif, mais j'en ai plus que 71 ans. Bonjour tout le monde. Coucou, Is No Good. Tu vas bien? Is No Good, pardon. Je t'ai rajouté un D. Très bien, et toi? Impeccable. On va vite faire réparer le ranch. Et puis, alors, j'ai pas encore été voir le tableau des quêtes. Hier, j'avais une quête que je n'ai pas faite d'ailleurs au Bayou. Donc, c'est la première fois que je la vois. Je l'avais jamais faite avant. J'espère qu'elle va avoir respawn et que je vais pouvoir la tester avec vous. Ce sera la première fois, quoi. Ça va bien, je suis à Paris. Bon, bah, c'est cool ça. Pardon, je suis désolée si je tousse un peu. C'est l'allergie au pollen, c'est pas facile. Hop, petit mur. Donc là, vous voyez, on a été assez rapide pour défendre le ranch. Donc du coup, on n'a pas trop de trucs à réparer. Ce qui m'arrange parce que c'est vrai que c'est un peu relou. Voir ma cousine qui a eu un accident de voiture. Aïe, eh ben écoute, j'espère qu'elle va bien. Prends bien soin d'elle. Et puis, bah, courage et force à vous deux. C'est moins bien du coup. De quoi qui est moins bien? Malolotte. Hello Mitty, tout va bien? Coucou Alexis, ça va et toi? Alors, on va aller voir. Je vais mettre le petit cure-dent là. Hop. À recycler, parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais aller voir les quêtes vite fait. Du coup. Bosquet de frêne, ah je l'ai pas. Comme de par exemple, je l'ai pas. Bosquet de frêne et Westar. Ah, Westar, ça coûte un max. Et bosquet de frêne, on va les faire, hein, ça fait quand même des ressources. Et là, c'était à la mine de sel. Donc la mine de sel, c'est justement au marais, quoi. Elle a eu l'accident de voiture avec Pierre Palmade. D'accord, bah écoute, courage à toi. Très bien, merci. Bah c'est cool, t'es pas en cours toi, Alexis? Ou t'es peut-être en vacances? Tu as dit assez bien ça à Isnogu quand il a dit qu'il était à Paris. Ouais, mais je savais pas moi. Le ganache sauvage n'est pas là. Non, pas encore, peut-être qu'il va venir. Oui, en vacances. Ah, c'est cool. Et t'as prévu quoi, Alexis, du coup, pour tes vacances? Du coup, j'ai pas ce que je voulais. Je voulais la quête au marais et je ne l'ai pas. Ça, c'est pas cool, quoi. Ça, on va y ranger ici. Ah, on va aller se faire vite fait la cage des bandits. Pardon. Hop, on va voir la carte. Il y a du bon loot là-bas. Jeux vidéo, sport, mais pas de devoir en plus. J'en ai même pas. Ah ouais? Mais c'est quoi cette école où ils donnent pas de devoir, hein? Moi, je peux te dire que quand j'étais à l'école, pendant les vacances, je passais une grande partie de mes vacances à faire mes devoirs. Hein. Vous glandez rien, quoi.
Alors, on va à la cage des bandits, récupérer un petit peu de loot, ça va faire du bien. Hop. Et puis, bah, ça m'embête quand même pour la quête. Je l'ai eu hier en plus. C'est pas grave, je vous la présenterai dans un prochain live. Hein. Ouais, j'en ai deux. MDR, c'est des révisions, mais d'habitude, j'ai des DM et des livres. D'accord. Et là, que dalle, quoi. Ils se sont dit, bon, c'est bon. Ils connaissent à fond de Becherel. Hein. Ils vont pas faire de faute d'orthographe quand ils écrivent. On va pas leur donner de trucs, quoi. Hop. Alors, du coup. Ça, c'est bon. Ça, je vais y enlever parce que je vais pas utiliser la durabilité pour une vieille sentinelle, là. Viens par là. Présent, bonjour tout le monde. Coucou Omega, tu vas bien? Présent Soum Soum ou présent présent? Ok, une petite gourdasse, on va la prendre pour les soins. Alors, le meilleur coffre, pour rappel, ça va être le dernier que je vais ouvrir. Là, vous avez plus de loot. Ok. On va voir là-dedans. Il n'y a que dalle. Donc, le meilleur loot, il se trouve là, en fait. Alors, le loot que j'ai, ça va pas forcément être le vôtre, parce que c'est en fonction du niveau de chacun, en fait. Donc ça, c'est du bon loot. Hein. Voilà, c'est nickel Michel. Présent, présent, je peux suivre en cuisinant. Ah, et tu nous cuisines quoi de bon? On va manger quoi ce midi? Dis-nous tout. Alors, en plus, je commence à avoir la dalle, et il est même pas 11h, quoi. Il y a un autre chêne ici. Voilà. J'en profite pour prendre le chêne parce que ça permet de faire du charbon. Charbon qui est spécifique pour les poissons frits, en fait. Enfin, les poissons qu'on doit frire, en l'occurrence. On va retourner à la base, enfin au ranch. Hop. Dit broucouli, peut-être. Ah, si bon, ça dit broucouli. On va ranger ce loot là et puis j'hésite entre faire une quête ou peut-être qu'on va se faire tous les avant-postes en fait. On va les enchaîner. On va se faire l'avant-poste d'hiver, l'avant-poste de pierre, l'interfluve. Par contre, j'aurai pas assez de ressources pour faire le camp des cultistes parce que là-bas, pour rappel, ça pique énormément. Kulx, hi partner, hi, how are you? Welcome on the stream. Vous avez le bonjour de mon frère. Eh ben écoute, tu lui fais un bisou aussi. C'est pas du tout là que je voulais cliquer. Hop, on va faire ça vite fait. Donc là, il y en a une. Donc ça, c'est vite fait. Le charbon, donc c'est celui-ci qui vous sert pour les poissons frits. Entre autres, hein, parce que ça vous sert aussi à cuisiner de la bouffe. On va faire les planches de cyprès. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, c'est bon. Fonderie, j'en suis ouf. Il va falloir que j'aille farmer aussi. Ça, c'est bon. J'ai quoi dans mon sac? Ça ira plus vite. Ok, je peux recycler les tenues. Il faut que je fasse l'avoine. Voilà. Et on a dit, on recyclait la tenue dont on n'a pas besoin. Voilà. Et puis ça nous fait des ressources en plus, notamment du lin, puisqu'on en a besoin, nous, pour l'alliance, en fait. Gratin de courgettes, champignons, gruyère avec une base œuf, crème fraîche 0% et plein d'épices. Ah, vas-y, Omega, viens manger chez toi, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui souhaiteraient le télécharger, je vous mets le lien. Voilà. Comme ça, vous pouvez télécharger le jeu. Vous allez voir, il est super sympa comme jeu. Ok, on a une petite hache, on va la prendre. On va tous chez Omega, quoi. J'espère que tu as de la place. On va ranger. Kostner, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Comment tu vas? Ça, on va y ranger ici. Hop, ça, on va y mettre là. J'ai pas assez de planches de mélèze hein, pour faire une planche. Hop, ça ici et ça ici. Impeccable. Et puis le gun, on va le recycler. Ça va nous donner de l'acier. Moi, je viens chez Omega en chopper. Ouh, aïe, ça dépend. C'est quoi, aïe? Coucou, Coco. Je vais juste t'appeler Coco, parce que c'est un peu long. Bienvenue à toi. Comment tu vas? ATV. Ah ouais, parce que aïe, je voyais pas trop ce que ça voulait dire. J'ai une maison, donc oui, il y a de la place, mais personne ne sait où j'habite. Ah oui, avec le petit rire démoniaque, quoi, derrière.
Moi, j'aurais bien kiffé venir manger chez toi. On va se préparer. On va aller d'abord au camp du sud, au camp du nord, du Schnorr. On va aller là-bas. Je peux poser mes hachettes, j'en ai pas besoin. Par contre, on va prendre une pioche. Hop, on va tout stocker. On va prendre une petite pioche. Voilà, belle pioche. Et puis du chou, on en a largement assez. Hop, on va se faire tous les avant-postes, même l'avant-poste de pierre. Comme ça, vous voyez tout, quoi. Et puis dès que j'aurai la quête qui permet de trouver des morceaux de cartes au bayou, je vous la ferai en vidéo. On va aller au lieu de tir avant parce qu'il y a du bon loot là-bas. J'ai déjà plus d'énergie. On va faire aller. Papouasie, Nouvelle-Guinée. Ah ouais, ça fait loin quand même. C'est quoi les jeux, s'il te plaît? Le jeu, c'est Westland, hein. Survival. Je te mets le lien, Costner. C'est un jeu. Franchement, il est très complet. Les graphismes sont magnifiques, tu vas voir. Et du coup, là, le lien que je te mets, tu peux télécharger le jeu, quelle que soit ta plateforme, en fait, que ce soit Android ou iOS. Coucou Mitty, il te reste pas quelques cadenas? Non, mais c'est pas possible ça. Arrêtez avec ces cadenas. J'en peux plus. Il m'a traumatisé, le lapin. Non, mais pas moi. Je parle d'Oméga. Bah oui, ça fait un peu loin pour aller manger. Déjà, faut trouver le département, mais d'après mon pseudo, peut-être. Dans l'Aude, quoi. Le 18, c'est l'Aude, il me semble. Mais il lui reste des kawottes. Ah, ok, merci, bah, de rien. Let's go action, baby. Yes. Hop, let's go. Je vais voir la description avant de le télécharger. Ouais, il n'y a pas de souci. Puis regarde un peu le stream, voir si ça te plaît, etc. Mais ouais, c'est plutôt sympa. C'est pas l'autre base. Alors, c'est le massif central. Dans le massif central, c'est pas ça? Ou en bas du massif central, je sais plus. Ça me dit quelque chose, quoi. Hop. Voilà. On y va en soum-souf. En soum-soum. Je suis du massif central. Il y a la colo là-bas. Le grizzly, bah, je vais être obligée de le buter. Hop, ça on en a besoin. Ok, ça on va le prendre. C'est toujours ça de prix. On va changer d'arme entre-temps. Le département du Cher en route vers Vierzon. Coucou Kéops, tu vas bien? Voilà, beau GPS, pile au centre de la France. Bah voilà. Ah ouais, Alexis, pas facile sur l'English. Ton franglish est particulier. Ah oui, il y a eux qui viennent m'embêter. Il y a un connaisseur dans le coin. Bah ouais, visiblement. C'est un jeu créé par Kéfir comme l'ASD. Non, les développeurs, ce sont. C'est Helios, la boîte de développeurs. Alors attendez, il y a mon chien qui veut rentrer. Pas facile. Hop. Vas-y, rentre. Dépêche-toi. Voilà. Donc la boîte de développeurs, c'est Helios. C'est le même principe, ils ont racheté les droits à Kéfir. Et du coup, par contre, ils l'ont développé de manière totalement différente. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'il est vraiment bien développé. Et tu vas voir quand on va retourner sur la map principale, il y a vraiment énormément de zones pour le farm. Tu as des zones spécifiques pour chaque truc. Enfin, il est vraiment bien, quoi. Non, c'est allemand. Oh, ah, bah, je parle pas allemand. Voilà, ceci explique cela. Allez, viens là, toi. Je vais faire gaffe à ma vie, par contre, parce que je pense que je vais mourir à un moment donné. Ce serait dommage. Hop, on va se heal. Bon, il y a un peu de monde là. T'as quoi sur toi? Bon, bah ça, on va y manger en fait. Hein. Ok. Je croyais que c'était des sous-traitants de Kéfir. Ah non, pas du tout. C'est une toute autre boîte de développeurs en fait. Hein. On retrouve beaucoup de choses comme dans l'ASD. Le coup critique, c'est la même chose. Oui, la mécanique de jeu de base, hein, c'est la même. Après, ça a été développé de façon complètement différente en fait. Par exemple, dans ce jeu, ton personnage n'a jamais besoin de se laver ou n'a jamais envie de pisser. Ça, c'est bien aussi. Hop, ça, on va prendre. Le reste, je m'en fiche. Ça, on va loot quand même.
J'ai travaillé à Vierzon et la grande chanson de Brel, je suis allée à Vierzon, j'ai vu Vierzon. Ah oui, c'est vrai. Belle chanson. J'aime bien Brel. Lui, il va me piquer par contre. Hein. Hop, on va le faire de loin. Ah, puis il y a les autres qui se ramènent. Ça, c'est pas facile. On est dans une embuscade. Attention, on va essayer de se dépatouiller comme on peut sans crever, sans trop utiliser la tenue aussi. Voilà, ça, c'est pas mal. Impeccable. 12 steaks, on va le manger. Ça, on va y picoler. J'en étais où? J'en étais par là. C'est aussi un jeu de farm. Oui. Ah, bah, il demande énormément de farm. Hein. Énormément. Et bah c'est ce qu'on aime quoi. J'habite à Bourges. Alors, il y a un gratin qui nous attend chez Omega pour info. Un bon gratin, quoi. Ça, on va y prendre. Ça, je le prends pas, j'en ai pas besoin. J'en ai. En plus, je crois que j'en ai. Ouais, j'en ai 12. Donc pour l'instant, je le prends pas. Ok, lui, on va lui donner un CC. Et après, on passe en allié en courant comme ça. Ok, il y a les autres gugus qui se ramènent. Donc il y en a trois. Là j'en ai eu un. Les deux autres sont ici. Impeccable. Ça c'est du tout bon. Ok, ça on prend. Là il y en a un autre. On va s'avancer en sneaky. Impeccable. On va regarder là-dedans. Mais tu peux donner l'adresse précise pour le GPS? Bah voyons, parce que j'ai faim. Voilà, du poisson. Ça c'est bon ça. On va pouvoir le faire frire pour réparer nos armes, etc. Mais comment tu fais pour gérer les deux jeux? Déjà, j'ai beaucoup d'heures de jeu dans l'ASD. Avec celui-là, laisse tomber, je dors plus. Bah, en fait, quand j'ai plus d'énergie sur l'un, je vais sur l'autre. Et puis, je fais du farm auto aussi. Ça aide beaucoup. Tu fais ton farm auto. Hop, tu poses ton téléphone ou ta tablette, je sais pas ce que t'as. Si t'as un PC, bah, tu poses le PC. Et puis, bah, du coup, ça ferme tout seul. Hein. Hop. Ah ouais, et puis en plus, on a un bus qui vient nous embêter, quoi. Ça, on va prendre, ça, on prend, ça, on prend. Ça, éventuellement, je peux le prendre pour le recycler. Ça, je prends. Bon, on va presque tout lui prendre, en fait. Après, on va devoir faire des choix. J'aurai pas assez de place. Perso, je joue à lui, l'ASD et Grimsoul. Bon, j'ai pas même ma save Westland, mais bon. Ah, ça pique, ça. T'avais pas relié ton compte? Hop. J'ai mon PC qui disait mise à jour, on veut s'éteindre. J'ai dit non. Nyon, pas maintenant. C'est pas le moment, quoi. Pourtant, je vérifie toujours avant de lancer un stream s'il y a une mise à jour. Vous êtes chaud tous ici? Bah oui, t'as vu? Nous on aime bien, nous. On aime bien le farm, nous. C'est bien ça. Hop! Les gamers dans l'âme. Lui, il commence à me saouler. Voilà, ça c'est fait. Vas-y, tire. Hop, on se pose. Voilà, ça c'est nickel, Michel. Il doit rester un sac. Ouais. Peut-être même deux. Là, je dois farm du titane. C'est galère, ça demande trop d'armes. Pas forcément en fait. Tu peux. Ça, je vais enlever. Tu peux du coup y aller. Tu peux y aller avec des armes. Enfin, voilà, quelques armes, oui. Mais t'es pas obligé de nettoyer toute la map. Tu peux aussi y aller en soum-soum. Et il y a des mobs que tu n'es pas obligé de tuer. Tu joues bien pour une nana. Quelqu'un peut lui balancer un brocoli, s'il vous plaît, même si c'est un compliment. Merci. Hop. Pas de propos sexistes, quoi. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Bon, on y go. Je vais pas les tuer, quoi. Ouais, vas-y, balance-lui des brocolis, Oméga. Non, pas relayé sur Google, tu te souviens la grosse panne avec l'AZ avec tout début, même Uji avait perdu sa save. Depuis, je relis pas les jeux à Google, mais je les zippe dans une clé USB au chaud. D'accord, et t'as pas zippé Westland du coup. Je rigole, oh, mais oui, je sais, moi aussi je rigole, bah, pas pour le brocoli. Hein. Celui-là, il est pour toi. On va faire aller. Donc aujourd'hui, on va se faire l'avant-poste d'hiver, l'avant-poste de pierre et l'interfluve. Et je pense que ce sera déjà pas mal parce que ça prend beaucoup de temps de faire ces choses-là. Alors, let's go, c'est parti.
On va crafter les trucs. Don't forget to take part in the contest. Go to official Instagram page Westland Survival. I don't see it now. Cool. I don't have Instagram, but if it right on the Discord, I will go see it after the stream. Non, pas lié. Je l'ai perdu et le zip de West. Je sais absolument pas. Comment ? J'ai plus... Ah bah, je sais pas. Je peux pas te dire. J'ai fait toute une phrase en anglais. Sans bafouiller. Pas facile. Hop. Ça, on fait ça comme ça. Là, il y a rien à faire. Ici, il y a rien à faire non plus. Là, on va tanner du cuir. Hein, parce que c'est plutôt sympa. Ça, non. Je peux pas faire des trucs, là. Ça, il faudrait que j'en drop deux. J'ai pas assez de... Faut que je refarme du nickel. Hein. Mais pas facile sur le farm du nickel. Hein. Bravo à toi et ton anglais. Non, mais il y a des fois, je bafouille. Là, j'étais pas... J'ai pas bafouillé, mais... En plus, le pire, c'est que l'anglais et l'espagnol, je le parle couramment. Mais en stream, je sais pas, ça bafouille. Hein. Ça va être à recycler. Donc, on va mettre ça là. Le reste, on va y ranger vite fait. Hop. Ah, j'ai un truc aussi à ouvrir par ici, là. Regardez, on a un tube industriel épique. On va s'ouvrir ça aussi pour voir ce que ça donne. Ok, I will try to convey my idea and the private message using Google Translator. Ok, if you want. Ok, ça c'est bon. Ça, on pose tout ça ici. Il y a des âmes corrompues et des esprits, pas de zombies. J'ai dû louper une question. Dans le jeu, ah oui, il n'y a pas de zombies. Non, t'as pas de zombies. Tu as des fantômes. Tu as des cow-boys. Il n'y a pas de zombies. Mais franchement, même s'il n'y a pas de zombies, tu vas t'éclater. Franchement, c'est vraiment un bon jeu, quoi. Faut que j'aille ranger le charbon. On va s'ouvrir le tube épique, hein, voir ce que ça fait. Dis-moi, tu as dit tout à l'heure, tu mets le farm auto, j'ai pas compris. Le farm auto, en fait, comme dans l'ASD, tu as la possibilité de farmer en automatique. Donc, bien stuffé, en fait, je vais te montrer en zone quand on y sera tout à l'heure. Tu appuies en bas là, à côté de la molette, ici là, tu as auto et puis ça farme tout seul. Là, j'ai pas de ressources à récupérer, mais voilà, c'est le farm auto. Ah oui. On allait faire quoi? Oui, le tube. Alors, le tube, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va avoir un plan qu'on n'a pas en épique? J'avais pas compris ça. Ah, il n'y a pas de souci. N'hésite pas si tu as des questions. Hein. Je y réponds volontiers. Hop, alors voyons voir. Ouvrir. Ah, je l'ai déjà. Mais bon, ça augmente son rang. En défense, on gagne plus 36. En vitesse d'attaque, plus 2. La santé max, elle augmente de 20. Au lieu de... Avec les 110 en plus. Résistance à armes à feu, on est à 6%. On gagne 2%. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, le plan, il est niveau 3. Et c'est plutôt pas mal, quoi, ça. Ok. Bon, je l'ai déjà, mais c'est pas un souci. On en était où? Je vais poser la vieille hache. C'est quoi ça? Ah oui. Il y a des armes aussi qu'il faut que je répare. Celle-ci, notamment en hippique. Je l'ai mis dans le coffre-fort. Le fusil Ross. Donc, il faudrait que je le répare. J'ai une tenue à réparer en hippique. Enfin, j'ai deux sortes de bottes, d'ailleurs. Et ce que j'aimerais crafter comme arme... Mais j'ai pas ce qu'il faut. C'est pas du tout là qu'il fallait que je clique, mais ici... il est sorti quand le jeu? Il est sorti il y a à peu près 4 ans. Et je joue depuis le début. Le fusil Ross, c'est celui que j'ai. Et moi, j'aimerais crafter celui-là. Donc, au niveau des dégâts, il est plus important. La portée est plus courte, mais franchement, voilà. Je le trouve stylé. Et celui-ci aussi, il peut être pas mal. Donc, j'hésite parce que là, les pièces industrielles, ça coûte la peau d'une pêche, quoi. Donc, ce n'est pas facile. On va boire et manger, puis on va y aller. On va aller en zone du nord.
Ah oui, très grande joueuse de jeux de farm, à ce que je vois. Ah bah oui, depuis le début, hein. Que ce soit l'Asde ou celui-ci, j'adore les jeux de farm. Ok, ça c'est bon, on va reprendre de l'avoine. Est-ce que j'en ai ici? Sinon, j'ai un coffre à avoine, on va aller voir dedans. J'ai joué à toi. Bah écoute, après c'est du temps, hein. Il y en a, voilà, ils aiment aller à la pêche, faire des trucs, voilà, comme ça. Moi j'aime bien jouer au jeu. On va reprendre ça parce qu'on va en avoir besoin avec les allers-retours qu'on va faire. Allez, c'est parti. Let's go. On va aller se faire ça tranquillou. Je vais boire un petit coup parce que j'ai un peu mal à la gorge. Tu fais quand un live last day? Vendredi. Non, normalement, dans à peu près la même tranche horaire, vendredi, vous aurez du last day. Sachant qu'après, je suis en vacances pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, je ne pense pas vous faire de stream. Mais vous inquiétez pas, il y aura Sly, puis il y aura Ganache, quoi. Vous serez pas sans rien. Avant-poste d'hiver. Coucou Charco, tu vas bien? Alors, ouais, on va t'aider, toi. Ok, c'est par où que ça se passe, moi? C'est par là. Ils sont un peu mal placés. Vas-y, picole, toi. Voilà. Ah, ça fait mal. Lui, on va pas le. Alors, le coton, j'en ai plus besoin. Non, c'est le lin dont on a besoin pour l'alliance. Votre groupe est très sympa, Ganache, toi et Sly, vous êtes cool. Bah oui, on se prend pas la tête, franchement. On est là pour passer du temps sympa ensemble, partager notre passion autour du jeu. Et puis voilà, c'est tranquille. Ça, j'en ai pas besoin. J'ai la tête dans la pêche, littéralement, mais sinon, oui, et toi? Bah écoute, ça va. Ça va impeccable. Toujours l'allergie au pollen qui est un peu embêtante, mais sinon ça va. Ah ouais, il y en a un qui me greut, quoi. Hop, pousse-toi. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va le faire vite fait, quoi. Je vais d'abord les buter avant de regarder ce qu'il y a dans le coffre. Ah, je me suis loupée. J'ai fait un misclic. C'est cool. Bon, je vais farm. Je reviendrai te voir vendredi. Bisous à tous. Il n'y a pas de souci, Cosner. Merci d'être passé. Je te souhaite un bon farm. Et puis, bah, de toute façon, je te dis à avant vendredi, puisque je passerai sur les streams de Ganache, parce que Sly ne revient pas tout de suite. Je crois qu'il revient dimanche, hein, si je me trompe pas. Ah ouais, t'as voulu me donner un coup de marteau. Ah, ça c'est bon. Faut pas que j'utilise mon arme. Parce qu'elle fait 300 dégâts, enfin 100 dégâts par seconde, 3 fois, donc 300 dégâts en plus. Ah, ils ont rajouté des chiens là-dessus. Vas-y. Ça, c'est le premier boss. Deux coups, on n'en parle plus. Ok. Ça, on va prendre. Il n'y avait pas un autre coffre de l'autre côté? J'ai pas loupé un coffre. Ah, mais si, il y avait un coffre là. Oui, ou sur le Discord, on se voit. Exactement. On se rapproche de la saison pour, en plus, bon courage avec le pollen. Ouais, bah ici dans le sud, ça a commencé déjà il y a quelques semaines le pollen, mais plus ça va, plus c'est compliqué, quoi. Tchuss, bah très vite, Costner. T'es allergique au pollen aussi, Charcot? Hop. Le pollen, ça fait tousser. Après, on a les yeux qui pleurent et on fait beaucoup de tchoum. Hop, ça, c'est bon, on prend. Hop, let's go à l'intérieur. On va prendre le fer qu'on va trouver puisque bah, j'en ai besoin. Yes. 14. Là. Alors, ne l'embêtez pas parce qu'il a utilisé Google Trad. Donc, quand il me dit bébé, s'il te plaît, montre-moi tes bijoux, ça veut dire les bijoux du truc. Donc 14 avec plus 14 en esprit, 12 en esprit et 15 en amulette de gardien. Spirit. Donc lui balancez pas des brocolis, il parle pas français. Voilà. Je préfère vous le dire au cas où, parce que je sais que j'ai une communauté sympa et très protectrice, quoi. Donc il est gentil. Hop.
C'est Google Trad, si vous voulez lui balancer des trucs, quoi. Il y a encore mon chien qui veut sortir. T'as fini de rentrer et sortir, toi? Hop. Vas-y. Voilà. Oui, ça s'est déclaré récemment. Je fais une désensibilisation. Et c'est tous les pollens ou quelques pollens en particulier, Charcot? Alors, ça, on prend ça aussi. Ça aussi. Bon, il y a du bon loot, hein? Ça, on va farm ça. J'en ai besoin. Pour rappel, le fer, ça vous aide à faire des lingots. Bah, de fer, des barres de fer. Vous avez aussi, ça vous aide à faire des lingots d'acier et des lingots de nickel. Donc le fer, c'est vrai qu'on en a beaucoup besoin. Bonjour Mithy et sa communauté. Coucou Riton, comment tu vas? Bienvenue à toi. Hop! Là, il y a un méchant, quoi. Alors, j'aime pas ce petit boss-là parce qu'il appelle deux chiens. Je suis obligée de buter deux chiens. J'aime pas ça. Moi qui suis végétarienne, en plus, je bute des cleps. Hop, ça c'est bon. Ok, là il y a un peu de monde quoi. Ah ouais, et puis un destructeur, je l'avais pas vu lui. Ça va qu'on est en zone de neige et que j'ai un sabre d'officier. Sinon j'aurais pris cher. Ça, je vais pas le prendre le coton. Alors, là-dedans il y a quoi? Ok, un rouleau de lin, ça je prends. Le petit tube, on va le prendre puisque pour rappel, les tubes. Donc ça, c'est un tube commun. Vous pouvez, quand vous en avez 20, l'échanger contre un tube un peu plus rare. Et après, donc ce sont les verts. Quand vous avez 20 tubes plus rares, vous pouvez les échanger contre un tube bleu qui est extrêmement rare. Et pour les plans épiques, c'est avec les pépites d'or chez le marchand qui pop une fois par jour sur la map. Allez, viens mourir, toi. Hop, on se pose. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ah ben, il n'avait pas grand-chose comme loot sur lui. Il y a quoi? C'est une corde de coton, on n'en a pas besoin. Vas-y, je t'ai sauvé. Hop, on regarde là-dedans. Et c'est là le coffre qui est intéressant. Où on a du loot qui est plutôt pas mal. Rang 3. Avec le réparation, je ne sais pas si je l'ai. Donc je vais le prendre dans le doute. On va prendre dans dérivé, j'en ai plein, j'en ai 94, donc faut pas abuser. On va prendre ça pour l'alliance. Bah, éventuellement ça pour le recycler. Ça je vais l'utiliser, comme ça je prends ça pour recycler. Allez, suis-moi toi. Je te ramène voir ton. Je crois que c'est son père. Non, c'est un détective. Coucou Nolan, tu vas bien? Bah, me suis pas? Ah oui. Voilà. Ah oui, il faut que je mette des trucs. Bah, je vais en profiter pour ramener la chariote. On va en profiter. Je vais mettre ça là. Hop, ça et ça. Voilà, c'est nickel, Michel. Hola, bonjour Mitty, ça va? Coucou Morichine, tu vas bien? Ça y est, mon chien est re-rentré. Si tu pouvais éviter de faire des allers-retours, hein, hop, ça m'arrangerait. Parce qu'après, il y a le pollen qui rentre, quoi. Alors, je vous mets 2 secondes en pause, j'arrive. Hop. Alors, j'ai dit que je ramenais la chariote. Donc, on va repasser par la maison. Je t'avoue, je suis un peu paumée sur le sujet, mais c'est par rapport aux graminées. D'accord, ok. Bah écoute, tu as plusieurs sortes de pollen hein, et les graminées, c'est vrai que c'est pas facile quoi. On va ranger tout ça vite fait et puis après on va à la pompeuse de pierre et puis après l'interfluve. Ce sera plutôt pas mal. On va faire tous les avant-postes sauf celui du marais puisque je n'ai pas assez de comment ça s'appelle hein? Comment ça s'appelle? De stuff pour y aller. C'est quoi ce que j'ai eu? C'est pour le truc de réparation, je crois. Réparation. Ok. Réparation, c'est ici. Mécanisme. Alors celui-ci, il donne quoi? Temps de fabrication, moins 14%. Un objet simultané, ça c'est plutôt pas mal.
Temps d'amélioration d'établi de 7%, il est au max, donc ça, j'en ai pas besoin. Donc, je vais le remplacer par celui-là, en fait. Voilà. Ça va être mieux. C'est surtout plus de 6 mois dans l'année. Ouais, mais là, avec le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, maintenant, le pollen, c'est quasiment, et je dis bien quasiment, toute l'année, quoi. Donc, c'est compliqué. Hop, j'ai dit que je recyclais ça, mais je sais pas si j'ai encore de la place. Non, on va faire ça comme ça. On va ranger tout vite fait, puis après on va à l'avant-poste de pierre. Hop, ça on range. Je t'envoie de la force, ah, pas facile. Bah oui, c'est pas facile du tout même. Mais voilà, après il y a pire, à mon avis. Faut relativiser. Donc là, on en a 17. À 20, je pourrais avoir un tube peu commun. Et une fois que j'en aurai 20 comme ça, j'aurai un tube rare. Après, j'ai tous les plants rares sur le jeu, il me semble. Ça, je vais le mettre là parce que ça va être à recycler. Coucou Elodie, comment tu vas? Il faut relativiser pour ça que je vais manger des sushis. Et bah, bon sushi à toi, quoi. Fais-toi plaisir. Moi, j'attends le gratin d'Oméga. On va reprendre une arme. Hop. Ma tenue, elle est comment? L'avant-poste de pierre, il n'y a pas besoin de beaucoup de tenue. Par contre, je vais manger avant de partir. Hop. Petit fruit du cactus. Ça pique, mais ça fait plaisir. Il cuit tranquillement. Ah, ça sent déjà très bon, Oméga. Hop, on y go. Bon, allez, bon live les gens, à plus, merci d'être passé Charco, et puis bah, je te souhaite bon appétit, et puis bah, une bonne journée. Et puis pour ma part, vendredi, ce sera du last day. On va faire aller, parce qu'on n'a plus de... On n'a plus du tout d'énergie, enfin on en a 25, c'est pas assez. Tu fais quoi? Sur Westland, là, on a fait l'avant-poste de pierre, on s'est fait une cage de bandits, l'avant-poste de pierre, l'avant-poste d'hiver. Là, on va faire l'avant-poste de pierre et après, on va faire l'interfluvin. Et peut-être dans un prochain stream, si j'ai la quête, parce que j'aimerais vous montrer les quêtes au marais. Déjà, les marais, c'est pas facile, mais alors pour faire les quêtes. Moi aussi, j'ai Westland. Ah, mais il est bien, franchement, Westland. T'as raison, c'est un très bon jeu. J'ai pas pris les trucs. Vous vous dégagez. Pas falloir commencer à m'énerver, quoi. On va prendre ça et ça. Ça, on va y remplir, puisque de toute façon, après, on va voyager. Hop. Et ça, je vais y prendre pour le poisson frit. Je sais pas combien j'ai de poissons frits. Peut-être assez pour réparer mon arme épique. Ça, j'en ai pas besoin. Tu as le bonjour de Mister Cookie. Ah, ça, c'est bien. Ça va mieux, son dos? Ah, j'ai mon PC qui s'est éteint. Pas facile. Alors, attendez. Ah ouais, tu es comme ça, toi. Tu t'éteins tout seul. Parce que j'ai une mise à jour et je ne l'ai pas encore faite. C'est surtout ça. Normalement, là, c'est du tout bon. Ça m'a déconnecté ça. Ok, ça, c'est bon. Normalement, là, c'est bon. Oui, je prends soin de lui. Ah, ça, c'est cool, ça. T'as quoi sur toi, toi? T'as rien. Hop. Alors, lui, hop, ça, c'est fait. C'est du ménage vite fait dans cette zone. Il y a quoi là-dedans? Ça, je vais y prendre. J'en ai combien à la base? 486. Donc, on n'en a pas besoin. Il avait quoi sur lui? Donc, ça, je m'en fiche. Ok, ça, je m'en fiche aussi. Allez, venez tous vous prendre moult clacasse. C'est quoi ces cow-boys qui attaquent tout le temps, quoi? Ça, je vais y boire. Ah, j'ai oublié de cliquer. Voilà. Là-dedans, il y a quoi? Voyons voir. Ok, bon, on prend. Je vais les prendre. En fait, j'en ai pas besoin, mais je les prends quand même parce que quand il y a des bâtiments à level up
avec des nouvelles mises à jour ou autres. Comme la dernière fois, je me suis retrouvée en manque de plein de trucs. J'étais obligée d'aller farmer, j'ai pas pu vous montrer le... Bah t'en vas pas ? Ah, il y trouille, hein. Donc, d'aller farmer ce qui me manquait. Donc là, du coup, je prends vraiment toutes les ressources et j'ai de la place dans ma base, donc c'est pas un souci. Mais lui, il prend jamais soin de moi. Ah, ça m'étonnerait, ça. Mr. Cookie, il est gentil. Hop. Alors, du coup... Ah, ça balance. T'as fait ta Pookie, là, Elodie. On va regarder par ici. Hop. Ah oui, il y a un peu de monde là. Ça va que je prends pas très cher et que c'est des levels assez bas. Un petit steak on va manger. Ça va nous faire du heal. Là, il y a un coffre. Quand vous débloquez dans le jeu le sabre d'officier, je trouve que ça change tout le game. Ça devient beaucoup plus simple en fait. Quelle que soit la zone où vous allez, hein. Ok, ben ça c'est du boulot, hein. Je prends. Je vais quand même farm ça, même si j'en ai pas besoin. Ça donne quoi déjà? Je vais attendre qu'il ait fini de péter le truc. Je vais regarder combien j'en ai à la base. Hein. Oh, j'en ai 166, donc ça j'ai pas besoin de farmer. Ok, 166, ça va. Ok, un autre boss. Pourquoi il a quoi ce sac? Tu parles de quoi? De quoi tu parles, Kekashin? Il a quoi ce sac? Ça, on n'en a pas besoin. Je vais prendre la gourdasse. Hop. Et on va regarder là-dedans. Ok, ça on prend. Le coton, j'en ai pas spécialement besoin. Si un jour j'en ai besoin, on en a quand même beaucoup au lac et au niveau des zones du nord. Donc ça se fait. En plus, ça se farme vraiment vite. On peut aussi en trouver dans le sud. Donc le coton, franchement, c'est pas. Du sac officier, tu dis que le jeu est plus simple. Non, le sabre d'officier, excuse-moi, j'ai peut-être mal articulé. Le sabre d'officier. Il fait 1033 de dégâts, il a 91 de vitesse, portée 1,7, durabilité, donc c'est sur 200. Si tu le répares à middle life, tu utilises qu'un seul lingot de nickel, donc c'est plutôt pas mal. Et il inflige 300 de dégâts en 3 secondes, donc 100 de dégâts par seconde. Et on a 30% de chance de coup critique. Donc une fois que tu as débloqué cette arme dans le jeu, honnêtement, tu deviens le roi du pétrole, quoi. Ça, on n'en a pas besoin. On va regarder le loot ici. C'est celui-là qui nous intéresse. Moi, j'ai un sabre, mais l'anglais. D'accord. Bah, tu vas voir, au niveau des stats, c'est pas du tout les mêmes. Après, je peux te montrer mes stats si tu veux. Mais étant donné que dès que tu débloques un plan que tu as déjà... On va prendre les haricots aussi. Je suis en train de réfléchir à ce que je prends. C'est pas... Quand tu débloques un plan que tu as déjà, voilà, tu... On va faire ça comme ça. Est-ce que je peux y accéder comme ça? Ce sera peut-être plus simple. Établi pièce, forge. Toi, tu as celui-ci. Celui-ci que tu as. Tu vois, il fait moitié moins de dégâts. Donc, j'ai débloqué celui-ci en épique. Celui-ci aussi, j'aimerais bien le crafter. En épique, ça doit piquer, quoi. 1318 de dégâts. 250 de dégâts en 3 secondes, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Après, il faudrait le level up encore un petit peu. Oh, Mandarta, merci pour ton resub. Pourquoi j'ai pas eu de son? Ah, parce que j'ai pas mis le son. Merci pour ton resub. Merci beaucoup. Comment tu vas? Hop. C'est mignon comme tout. Attends, je te balance un fondant. Je peux pas te laisser comme ça. Bouge pas. Je vais te mettre un fondant, quoi. Il est où? T'en mets même 3 parce que je suis généreuse. Merci Andarta. C'est mignon comme tout. Allez, hop. Eux, ils vont m'attaquer alors que j'aurais pas fini d'ouvrir la porte. Ça, c'est pas juste. T'as le temps de te prendre pas mal de dégâts. Merci pour le fondant. Bah, merci pour ton sub. Hein. Si gentil comme tout.
Hop. Alors en Dartha, on a fait, pour info, la cage des bandits, l'avant-poste d'hiver. Là, c'est l'avant-poste de pierre. Et après, on file à l'interfluve. Et on a fait le lieu de tir aussi. Comme ça, tu sais à peu près ce qu'on a fait. Et je voulais faire la quête... je sais pas... Oui, t'as débloqué les marais sur le jeu, toi, Andartha. Au niveau des quêtes, maintenant, t'as des quêtes au Bayou. Mais le problème, c'est que là, je l'ai pas dispo aujourd'hui. Je l'avais dispo d'hier. Hier, je me suis dit, bah, je vais vous le faire en stream aujourd'hui. Je pensais qu'elle allait respawn, mais non, pas du tout. Elle a pas respawn. Ça va, mais fatiguée. Oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe, moi? Oui, ce serait bien que j'ai ça. Bah ouais, elle est bien, cette arme. On va ranger vite fait. Hop. Je crafterai les trucs après. Voilà. Réserve par réserve, ça se range automatiquement pour ce jeu-là. Franchement, le rangement, il est nickel, quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête. Tout se range automatiquement, quasiment. Hop. D'autant plus quand vous avez le VIP, parce que là, j'ai même pas le VIP, hein. Mais on va vers la réserve. Par exemple, là, il va me trier uniquement ce qui est bouffe. Ça, c'est génial. Hein. Non, c'était là que je voulais aller. Ok, 18. Encore 2 et on peut aller s'échanger un petit plan. Ah si, j'ai ouvert un plan épique aussi. Et j'ai eu de nouveau ce chapeau-là. Là. Et j'ai gagné plus 36 dessus. Oui, j'ai le Bayou. Je crois que je l'ai déjà débloqué, cette arme... mais j'ai pas les ressources pour le craft. Bah, j'en ai craft qu'une arme. D'ailleurs, faut que je la répare. Donc, je vais l'emmener avec du poisson frit et la faire réparer. Voir si c'est possible, d'ailleurs. Parce que je sais même pas si c'est possible. Et j'aimerais craft d'autres armes épiques. Mais c'est vrai que ça coûte les yeux de la tête, quoi. Je vais prendre une comme ça, plutôt. C'est mieux. Et on va y aller en chariote, parce que comme je farme pour l'Alliance, du coup j'aimerais bien laisser ma chariote là-bas. Le coucou vite fait, je suis au boulot. Coucou c'est Capo, comment tu vas? Ben merci pour ton petit coucou, puis merci pour les crêpes, c'est mignon. Puis bon courage surtout. Hop, là j'en ai une mais elle est en difficile. T'imagines un peu trouver les morceaux de cartes à la mine de sel, comment ça doit piquer? Et en plus, on doit buter Nash la rouille. Mais regarde le loot qu'on peut avoir. On a une carabine revolver. On a 10 lingots d'alliage. Donc, c'est pas rien. On a 300K et 85 pièces. Après, il faut voir les tenues et tout qu'on utilise aussi. Hein. C'est pas facile. Hop. Bah, je vais y redonner à manger. Parce qu'on va y aller en chariote. Hein. Trop dur. Ah ouais, non. Mais j'ai pas encore testé. Je voulais le tester avec vous en live, hein, et du coup, bah, manque de bol, j'ai pas le VIP, donc je peux pas vous le montrer. Mais j'espère qu'au prochain live, ce sera dispo, puis on va aller se le faire. Et je pense que ça va vraiment piquer, quoi. J'y étais en chariote. Je vois pas ma chariote. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Non, c'est pas vrai. Ça voudrait dire que j'ai utilisé de l'avoine pour rien. Voyons voir. Ah non, elle est là. Bah c'est bon. Allez, go. Donc ici, ça va piquer un peu plus que sur les deux autres. Hein. L'interfluve, il est plus dur que bah, l'avant-poste de pierre et puis celui d'hiver. Hein. Déjà là, vous voyez, c'est un petit peu plus dur. Ça, on prend parce qu'on en a besoin pour l'Alliance. Pour faire des rouleaux de lin. D'ailleurs, je peux plus me saquer le lin. Ce serait bien qu'il ne prévienne pas ses potes. Alors, je vais attendre qu'il revienne. J'aurais peut-être dû prendre plus de soins. Parce que là, ça ne va pas être la même. Ah ouais, tu veux pas revenir, en fait. Bon, on va aller te chercher. Hein. On va essayer avec une arme à distance. Hein. Parce que j'aimerais conserver un peu ma tenue. T'as vu, ils ont rajouté des chiens... Dans les différents avant-postes. Voilà. Ah bah celui-là, il était corsé avant, je trouve. Mais ils l'ont rendu encore plus dur. Peut-être qu'il y avait trop de monde qui le faisait. Ils ont dit non, c'est trop simple, vas-y, on va rajouter du toutou, quoi. Oui, maintenant il y a des chiens. Ouais, mais je m'en étais pas aperçue parce que c'est vrai que je l'ai pas fait depuis longtemps. Bah, je crois que la dernière fois que je l'ai fait, c'était avec vous en live, quoi. Hop, on va regarder là-dedans.
Ok, ça c'est du bon goût. Je peux lui mettre un petit CC sans qu'il me voie? Vas-y, alerte pas tes potes. Ah, il m'a vu. Ah, ça va piquer, il y a tout le monde qui va se radiner. Petit coup de sabre. Voilà. Bah du coup, ça je vais y boire parce que j'ai pas prévu assez de soins en fait. Ça, on va y prendre. Ok, là il y a un peu de monde. Mais les loots sont bien. Ouais, franchement, ouais. Là, on va y aller comme ça. Je vais pas prendre de risque. Parce que là, il y a un petit peu beaucoup de monde. Hein, et ça va piquer le mollet droit, quoi. Hop. Ok, ça c'est bon. La corde, on n'en a pas besoin. C'est le tissu qu'il nous faudrait. Ok, là. Le temps que je fasse le tour, il va se retourner. Je peux pas passer. Je suis trop grosse. Je passe pas derrière le caillou, quoi. Si j'y vais comme ça là, il va me voir là. Hop, ça c'est bon. Quel beau sneaky, bien maîtrisé. Hop. Ça on mange. Ah, c'était un gros. Je croyais que c'était un truc dans sa cage. Pardon, je tousse. On va ouvrir le coffre d'abord. Je vais me heal. Je recommande d'utiliser fusil tranché, sabre d'officier, revolver Schofield et en même temps à utiliser selon la situation. Yes, I do it usually, but now we are in stream, so I use this weapon and this. Je sais plus comment on dit en anglais. And this. Hop! Ah ouais, t'as voulu me piquer quoi. Thanks for the information, Kulks. C'est dur à dire. Ok, le boss. Ah mais il est sous Red Bull ou quoi? C'est un beau spasmophile quoi. Il a joué du cure-dent mais avec une rapidité. Hop. Ok, ça on prend. Ça on prend. On va aller là-dedans. En même temps, je farm si je trouve de la chromite. Hein, puisque j'en ai besoin. Alors, voyons voir. Ok. On va essayer de s'avancer en sneaky pour pas qu'on nous voit. Ah, mais pourquoi il s'est relevé? D'habitude, il restait accroupi. Ah, c'était pas ce qui était prévu. Hop. Voilà, nickel Michel. Ça se fait tranquillou. Ça, c'est bon. Ok, on va regarder là-dedans. C'est vrai que le loot ici il est sympa. Bon, pas celui-là, mais les autres, oui. Juste quand je dis ça, il y a du loot. Bon, c'est du bon loot, hein, mais il est passable comparé à ce qu'on peut avoir en fait. Ok, je lui mets un CC. Et là, il se relève alors que d'habitude, il reste accroupi. C'est pas très normal ça. On va farm. Donc là, je suis en auto là, du coup. Il va farm tranquillou parce qu'on en a besoin. En attendant, je vais vous remettre le lien du jeu. Hop. Voilà, si vous souhaitez le télécharger, vous l'avez là, quoi. Le charbon. Hop. De toute façon, je m'en fiche. Si j'ai pas assez de place, j'ai la chariote. Donc, je peux mettre des trucs dedans. Au pire, hein. C'est quoi les offres du jour? Ok, là on a un plan. 5 marbres, c'est plutôt sympa. Ça c'est bon. Voilà. Ça forme tranquillement, quoi. Après on va se faire le boss. Et puis tout du moins celui-là. Et puis après il y a le deuxième boss.
Après, je pense que ça fera 1 heure de stream, ce serait plutôt pas mal. Ok. Allez, hop, on s'occupe de lui, vite fait, bien fait. J'aime pas, il va appeler ses toutous. Ah ouais, il appelle tout le monde en fait cette fois. Ah ouais, c'est. Ça pique là. Coucou Break, tu vas bien? Ah ouais. Là, on a pris cher là. Hop. On va prendre plus cher là-haut, je pense. Ça, on prend. Ah, puis il reste lui. Je peux lui mettre un petit CC avant qu'il se retourne. Voilà. Ça, c'est bien. On va boire un petit thé en attendant. Mitty, tu as de la viande pour mon perso? J'ai plus de viande. Sur quel jeu? Regardez ça, si c'est pas du bon loot, franchement. Ça vaut le coup, avec le VIP, on gagne du temps sur le farm. Énormément, ouais. Franchement, énormément. Tu gagnes non seulement du temps sur le farm, tu gagnes de l'XP. Le VIP, c'est insane, en fait. J'ai pas du tout la bonne arme. Je vais prendre très cher, là. Parce que j'ai aggro le boss, c'était pas prévu. On va essayer de pas mourir. Il y a la dynamite en plus. Ok, viens là, toi, pépère. Ah, mais il y en a encore un, hein. Il est pas mort, lui. On va se mettre de l'autre côté. En plus, il se heal. Il se heal, mais il s'est pas visé, quoi. Ok, ça, on prend. Build explosif. Westland, j'ai que 10 viandes crues. Sinon, j'ai mes cactus et quelques trucs. Dans Westland, tu peux pas. Enfin, si, tu peux faire un raid, tu sais, pour avoir de la viande, mais le mieux, c'est de farmer. Même dans le jeu, là, j'ai pas le choix. Moi, je suis obligée de farmer pour avoir de la viande, en fait. Hein. Le Carly stream aujourd'hui? Normalement, oui. Après, j'ai pas pu venir sur son stream hier, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas envoyé le message. C'est quel level? Un rang 4, hein. Fabrication accélérée. Avec l'établi d'outils, ça, on va le prendre. Ça, on prend. Hein. Tout récup. Il me restera ça, ça, ça et à prendre, en fait. Je vais mettre des trucs dans la chariote. Coucou Mickey, coucou Titanios, tu vas bien? C'est un petit stream aujourd'hui, vous arrivez vers la fin les gars. Je suis désolée, elle est où ma chariote? Ça y est, je l'ai encore perdue. Donc c'est pas par là déjà. Super, et toi? Ben, impeccable. Cool le café. Ouais, pour l'alliance, ça va être génial ça. J'ai combien de trucs à récupérer? Donc déjà ça, on va y mettre là. Parce que ça va me servir pour farmer plus tard. Ça, je peux y ranger. Ça, on va y ranger à l'abri, hein. Et je vais aller récupérer ce dont j'ai besoin que j'ai laissé là-bas. Je peux pas mettre la one. Voilà, comme ça on gagne une place. Hop, c'est par où? C'est par là. Ouais, je suis désolée, c'est un petit stream aujourd'hui. Et puis vendredi, ce sera du last day. Et puis après, je suis en vacances pendant 2 semaines. Donc vous n'aurez pas de stream pendant 2 semaines, sauf voilà. S'il y a vraiment une très grosse mage et qu'ils nous sortent l'hélico ou que sur Westland ils nous sortent autre chose, voilà. Mais du coup, j'ai gagné des plans. Non, donc je peux même pas aller en échanger. On va aller essayer de réparer l'arme épique quand même. On va faire aller. On va aller quand même au centre-ville. Mais ouais, normalement, pendant 2 semaines, vous aurez pas forcément de. Vous aurez pas forcément de stream. Après, je serai présente sur les streams des autres. Tu as vu pour Lord sur Discord? J'ai pas été sur Discord, non, j'ai pas vu Titanius. Qu'est-ce qui se passe? Hop, on va ranger tout ça vite fait et puis on va aller en ville réparer des trucs. J'ai dit que c'était pour établi d'outils. Établi d'outils. Mécanisme. Voilà. Je l'avais déjà. Il était à l'hôpital hier. Là, ce matin, il est sorti. Ah ouais?
Bah, je vais aller voir ça et puis je vais aller lui mettre un petit message de soutien surtout. J'espère que c'est pas trop grave. Non, j'avais pas vu Titanius. Après, quand je passe sur Discord, c'est vraiment un coup de vent, donc c'est vrai que j'avais pas vu. On va aller réparer ça en ville. Hop, j'ai bien entendu, tu farmes de la viande choquée. Je vais pas l'oublier. Bah sur Westland, t'es un peu obligé en fait. T'as pas trop le choix. Il est où mon poisson? Donc là j'en ai 20. Là il m'en reste 11. Donc il va falloir que je retrouve d'autres. Hein. Ce serait bien. J'ai peut-être des trucs à aller échanger en ville. Voyons voir ça, je peux l'échanger. Ça non. Ici, est-ce que j'ai des trucs à échanger? Ça, je peux en échanger. Bah, c'est 5 de toute façon. Voilà. Bah là, remarque, je peux en échanger ça aussi. Donc ça, c'est bon ici. On peut échanger les barres de fer. On peut échanger ça à ça. Ok. On va faire des échanges puisque c'est plutôt sympa. Je peux échanger ça. Le reste, je ne l'ai pas craft, donc non. Et là-bas, je crois que j'ai dit que c'était bon. C'est exactement comme l'ASD, version cowboy. Lord Big Mono, pardon. Bienvenue à toi. Comment tu vas? Et oui, c'est la même mécanique de jeu. Par contre, c'est pas tout à fait pareil. Le jeu a été développé d'une façon totalement différente. Donc la mécanique de base est la même, Lord en fait, mais il a été beaucoup plus développé. Je le trouve beaucoup plus abouti en fait. Faire du café de cow-boy pour moi. Ok, let's go. Hop, on va en ville. On va faire cuire. Tu vois, regarde. Comment je t'appelle? Lord Bake Mono ou Lord Bake Mono? Ça fait un peu long. Tu vois, regarde toutes les zones qu'il y a. Comparé à l'ASD, il y a énormément de zones. Tu vois, la map, elle s'étend jusque-là. Donc, t'as vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones. Hein. Lors de tout court. Ok, ça marche. J'avoue. Bah ouais, t'as vu? Tiens, regarde, je vais te mettre le lien si tu souhaites télécharger le jeu. Donc, t'as juste à cliquer sur le lien. Et puis, c'est compatible Android ou iOS, hein, selon la plateforme que tu utilises. Et puis, voilà, si tu veux tester. Mais il est beaucoup plus complet en fait. Hein. Et puis les graphismes, ils sont géniaux, quoi. Westland, moi j'ai pas accroché. Bah après, ça dépend des personnes. Hein. Mais moi je le trouve vraiment splendide ce jeu. On va échanger des trucs. Donc déjà, on va échanger ça. Voilà. Là, j'avais rien à échanger. Ici, je crois que j'avais des trucs à échanger. Voilà. On va prendre ça. Là, donc là, je peux échanger ça. Là, je peux prendre du marbre pour l'alliance. Ici, on a dit qu'on échangeait ça, qu'on échangeait ça et qu'on échangeait ça, quoi. Là, j'en ai pas assez pour ça. Il me reste quoi? Donc ça, c'est bon. L'arme à réparer. L'arme à réparer. C'est pas lui, je crois. Non, lui, c'est le coffre. Alors attends, parce qu'ils ont changé le centre-ville. C'est plus trop comme avant. Là, c'est la chasse. Je crois qu'il est en bas. C'est ton collègue, la ganacherie, qui m'a dit de faire un tour ici. Vas-y, je vais voir ça. Bah oui, c'est mon copain. C'est mon curly. Après, là, aujourd'hui, je fais du Westland, mais vendredi, je ferai du Last Day. Trop cool, t'as un chat qui te suit. Bah oui. Ah, t'as un chat, pas un chat. Le chat, non, c'est pas le mien. Par contre, ici, tu peux adopter des animaux. Pardon, excuse-moi, j'avais pas compris. Tu peux adopter des loups, des lynx, des ours, des pumas. Tu peux adopter plein de monde. Donc ça, je vais y réparer mon arme épique. Voilà, ça c'est réparé. Donc après, il va falloir que je répare la tenue. Ça va être autre chose. Est-ce qu'on peut se faire un petit coup de casino? On va voir ça. Hop. Donc là, j'espère que ça va pas déclencher
Ah non, j'ai pas. Bah, on va utiliser 10 pièces. Hop, on va faire un petit coup de casino. J'aimerais un bol, hein. Et j'en aurai pas. J'ai une caisse. Ok. C'est déjà pas mal une caisse. On va aller voir dans la boîte aux lettres ce que ça donne. Hop. Difficile d'avoir des poissons en ce moment. Ouais, je trouve aussi. Je trouve que, ouais, c'est pas... On en a moins, quoi. Bah, tout à l'heure, c'est à la cage des bandits, je crois. J'en ai eu deux. Mais, ouais, c'est de plus en plus rare. On va l'ouvrir. On va avoir quoi? Ah, je voulais pas ça, moi. Je voulais de la peau. Et pourquoi j'ai un autre 1 pour la viande séchée. Ça, je vais l'enlever pour le ranger. Les outils aussi, d'ailleurs. En même temps, j'irai le ranger tout à l'heure à la base. GG pour ton level, Caps. Ok, ben c'est du tout bon. C'est du tout bon. Hop, on va sortir de la map. Alors, est-ce qu'on a des copains qui sont au stream ou pas, quoi? Ok, il y a Kaiser qui est en stream. Il fait du Escape from Tarkov. Donc, je vais vous envoyer chez lui. Pour aujourd'hui, nous, on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer chez lui. D'ailleurs, on n'a même pas dansé. On va se faire une petite danse country avant de partir, histoire de se mettre dans le move. Et puis, pour moi, aujourd'hui, voilà, ça va s'arrêter ici. Je ne sais pas si Ganache y stream ou pas. Comme hier, j'ai pas pu aller sur son stream. Du coup, j'en ai aucune idée. Et puis, je n'ai pas envoyé de message. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à tout à l'heure sur le stream à Ganache s'il stream. Et puis sinon, pour ma part, bah, ce sera vendredi, tout simplement. Hop, hop. Voilà, du coup, je vous fais des bisous. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Ciao, bye.